قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد. Salam alaikum, salut à tout le monde, je suis Taha. Merci pour les nouveaux abonnés et pour vos commentaires. Que Allah Azza wa Jal vous protège. Amin, ya Rabbal Alamin. Chaque 3-4 jours, je fais une vidéo en français. Ce thème, c'est très important. Je vais faire deux vidéos. Une vidéo pour les femmes et autre vidéo pour les hommes. Je vais commencer pour les hommes. Ah, pardon, mes frères. Si tu vas lire le Coran, tu vas trouver la parole Ar-Rajul, l'homme. Combien fois? Hein? 200? Non, 24 fois. Et la femme? Hein? 2 fois? Non, la même chose, sahabi. 24. Waouh! Subhanallah! Pour ça, Allah a dit وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Ta femme est un vêtement pour vous et vous pour elle. Allah a dit هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ. Allah Azza wa Jal a créé l'homme et de l'homme a créé la femme. Allah a dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Pour que لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Ta femme est second. Le logement. Tu dois trouver la félicité dans ta maison. Si tu as trouvé pas la félicité dans ta maison, il y a quelque chose qui marche pas bien. Donc, tu dois rechercher bien, il y a eu de problèmes. Parce que Allah a dit, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Et après, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. مَوَدَّةً, amour, rahma. Donc, je vais commencer, Inch'Allah. Si tu n'es pas marié, écoute bien ces conseils. Comme ça, tu vas avoir expérience. Et si tu es marié, bien, mashallah. Asseyez-vous avec votre femme et écoute bien ses conseils. Je vais commencer pour la première. Ok? La première, mon frère, tu dois savoir ce que votre femme aime et ce qu'elle n'aime pas. Si ta femme aime telle chose, donc essayez de le faire. Et si ta femme n'aime pas telle chose, alors ne le fais pas. C'est très important. Et maintenant, la deuxième. Hein? Tu es avec moi? Oui? Et ouais, écoute bien. Hein? Quand vous rentrez chez vous, entre avec le sourire. Comme ça. Fais comme ça. Et mashallah, si vous avez des problèmes, vous les laissez dehors. Ah pardon, hein, mon accent, c'est comme ça, 50-50. Mais tu comprends bien mon français et mon accent. Alhamdulillah. La troisième, tu dois respecter sa famille. Ses parents sont comme tes parents. Tu dois les traiter bien. Les parents de ta femme, s'ils sont au Maroc, sont pauvres, tu dois l'aider. Ici, tu as deux récompenses. Récompense sadaqa et récompense salat rahim. Masha'Allah. Et après, ta femme sera contente. Oui, masha'Allah. Hein? La quatrième. Si vous avez un problème avec votre femme, n'insulte pas, ne la frappez pas. Soyez patient. Il y a plus de 100
aya dans le Coran qui parle sur sabr. J'ai fait une vidéo en français sur la patience, sabr. Tu dois regarder cette vidéo parce que c'est très important. La patience, sabr, vous avez une récompense illimitée. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ما شاء الله La cinquième Écoute-la quand il parle et respecte son opinion pour qu'elle se soit valorée par toi Quand ta femme parle tu ne fais pas comme ça Ah, ouais Tu fais Et tu as dit quoi Non Chouma, ma sahbi Tu dois regarder à ses yeux. La même chose maintenant, toi avec moi, regarde la vidéo. La même chose. Toi, regarde à ses yeux. Pas téléphone. Ah, mon français, hein? La sixième. Ne dis pas à ta femme, regarde, quelle femme. Et elle belle. Ne parle pas à ta femme d'autres femmes. Après, Elle sera jalouse. Après, tu vas dormir seul. Quand ta femme te demande qu'elle est la plus belle, moi ou ma soeur, toi, ma chérie, toi, qu'elle est la plus belle, moi ou Shakira, toi, ma chérie, toi et princesse, ma princesse. La septième, c'est au travail. Allahumma barik. Et tu as l'argent, Allahumma barik. De temps en temps, tu lui achètes un cadeau. Tu peux lui faire une surprise. Par exemple, manger un restaurant. Restaurant, la même chose, hein, français ou espagnol. Tu ne dois pas être comme ça. Ah, comme ça, ça ne va pas bien. Hein, comme ça, ça ne va pas bien. Un peu comme ça. Ok? Et maintenant, la huitième. Comme ça, hein? La septième, la huitième, ne critique jamais le manger de ta femme. C'est très important. Quand tu vas manger, dis Oh, mashallah, c'est beau, lekker. Et le pauvre a resté dans la cuisine de 3 heures. Tu dois dire Merci beaucoup, ma chérie, mon amour. Si tu as trouvé pas le manger bon, tu vas entrer à la cuisine. Ah, tu vas nous faire un tagine, mais grand tagine, hein? grand tagine. Et tu dis pas ça à ta femme que j'ai mangé avec mon ami et sa femme, mashallah, a fait le manger bon. Non. Ta femme. La première et la deuxième est ta femme. Et la troisième est ta femme. La dernière et je vais fermer le magasin. Je parle comme ça en espagnol. Ok? La dernière, quand ta femme a ses règles, menstruation, tu dois avoir beaucoup de patience. N'insulte pas. Ne crie pas. Elle a besoin. De tranquillité et aussi quand elle est enceinte après va venir bébé j'appelle bébé piche ok va venir un piche les premiers mois je sais pas comment ça s'appelle en français mais en tomazir ça s'appelle tinif si ta femme veut manger quelque chose par exemple un pizza tu dois acheter pizza Si tu ne vas acheter pas pizza après, tu piche, bébé, va sortir une pizza ici. Et les derniers mois, tu dois être avec ta femme. C'est très important. Parce que ta femme a besoin de l'affection. Le mawadda, comme a dit Allah Azza wa Jal, wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Et après l'accouchement, tu dois l'aider. Tu peux changer les vêtements à ton fils. Piche. Si piche. fais beaucoup de zigzag. Hein? Tu peux
prendre une toma, mon français comme ça, et te poser Subhanallah, Alhamdulillah, et après elle va dormir. Mais si tu vas rester avec la télé ou avec téléphone, Shuma, ta femme va faire tout, Shuma, il y aura Rahma. Si tu vas faire ces conseils, Inch'Allah, tu vas être bien avec ta femme. Comme a dit Allah Azza wa Jal, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun. À la prochaine vidéo, inshallah. Salam alaykum wa rahmatullah.